Yo les gens, c'est Isokai, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Blazing, vidéo invocation qui n'était pas forcément prévue à la base. Le Pertail, je l'attendais, mais c'est plutôt la situation. Bon, elle était prévue, mais voilà, c'était pas censé se passer comme ça. Donc là, je suis sur un setup made in gitan. Là, clairement, on est sur deux enceintes posées en dessous. J'ai posé juste la planche de mon bureau, donc j'ai un setup très particulier. Peut-être je mettrai une photo pour vous compreniez le délire. Comment je suis en train de faire cette vidéo, c'est très particulier. Mais ça nous empêche qu'on va quand même partir invoquer sur du Naruto Blazing. Voilà, un jeu que je joue un petit peu moins en ce moment. C'est vrai que là, je suis plutôt de passage sur Dokkan et Peach Bresoul. Pour ça que sur la chaîne, ça risque un petit peu d'être diversifié niveau gacha game, ça va revenir. Et Blazing, il y en aura quand même à quelques occasions. Et là, c'est surtout l'occasion d'avoir ce personnage, Tobirama Senju. Blazing Bash, un personnage, je veux dire, sur tous les personnages du jeu que j'ai pas actuellement, c'est celui que je veux le plus, mais au-dessus de tout, mais vraiment. Genre, je veux dire, c'est pas le genre de personnage, enfin, c'est pas le genre de portail où t'as forcément envie d'invoquer. À vrai dire, j'ai tout déjà sauf le Guy. Et Guy, bah, je m'en fous un peu. Hinata, j'ai tout ce qu'il faut. Rock Lee, j'ai full. Naruto, j'ai full. Jiraiya, il est pas très bon. Les deux de droite, la Ino, je l'ai full. La Sakura, je l'ai. Déjà, ouais, je l'ai déjà, pas d'habilité, mais bon, elle a pas grand chose de particulier. Et le guy, bon, bah, je l'ai pas, mais c'est pas incroyable non plus. Donc, on va invoquer vous, si vous êtes soit nouveau joueur, soit j'allais dire free to play, mais bon, je suis aussi maintenant, je mets plus d'argent sur ce jeu. Donc, bon, c'est pas vraiment un personnage à portail à invoquer, hein, je vous préviens. Mais moi, je vais le faire parce que je veux vraiment le Tobirama. Donc les débuts, il n'y a que des rate up à chaque fois. C'est à partir de la quatrième qu'on a rate up Tobirama. Donc on croise les doigts pour avoir ce qu'il faut. Hein. Si on a Tobirama plus tôt, bah on arrêtera plus tôt. Hein. Forcément, je vais pas forcer comme un fou. Désolé s'il y a de l'écho, quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, ma chambre, je viens de déménager. Il n'y a rien dans ma chambre à part un matelas et mon PC posé à l'arrache. Donc c'est un peu compliqué. Désolé si ça résonne. J'essaierai de gérer ça au mieux. Donc là on a un petit Sasuke, on commence 2 gold, ok 2 gold, là je crois que c'est rate up, peut-être Sakura ou enfin un des deux duos un peu pourri. Ouais Naruto Shippuden c'est pas ouf, et Hinata Blazing Bash que j'ai pas full, j'ai seulement 2-3 habilités. Bon ça va, Hinata ça fait longtemps que je l'ai pas vu, putain je l'avais pas drop, ça fait bizarre de voir son artwork, mais ok why not. Why not, why not? On go sur une deuxième summon. Plutôt on l'a, plutôt on arrête, hein, plutôt on garde les perles. Même si sur Blazing c'est assez facile de stacker. Même s'il n'y a pas grand chose à farm, c'est vraiment. On fait vraiment le gros charognard de perles. Si vraiment vous faites tout et vous invoquez rien pendant très longtemps, il y a moins de stack. Par contre, voilà, vous pouvez pas vous faire plaisir sur ce jeu. Faut invoquer que de temps en temps. Si vous invoquez à chaque fois, c'est pas possible. Ok, on a Sakura, donc on a forcément une gold. Peut-être qu'il y avait une garantie là, je sais pas, les steps, j'ai pas trop regardé comme je vous ai dit. 4 gold. 4... Pour l'instant, on a pas mal de gold, hein. Mais faut les bonnes. Faut les bonnes maintenant. Allez. C'est parti. Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Ah, Guy. Voilà. Il me semble que c'était le rate up de Guy. Je l'avais pas. Donc, nouvelle unité à la collection. C'est vrai que maintenant, Blazing, je suis limite un petit peu opté. Pour la collection, donc ouais, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que là il y avait un rate up guy, hein, vu qu'on est très bas et il fait partie des débuts des rate up. Ok, bah nouvelle unité, pourquoi pas, ok, je prends. Et DJ que j'ai déjà full habilité, donc là je crois qu'il va aller 90 de luck, bientôt ultimate, et le Sasuke là au-dessus, ability, je l'ai full, hein, je l'ai ultimate déjà, donc je sais pas pourquoi il dit ability. Guy, pourquoi pas. Je vais dire pourquoi pas. Je vais juste re-regarder. On avait. Voilà. Il y avait un boost pour Guy et Jiraiya. Et là, on a une garantie. Ok. Bon, là, je crois qu'on va devoir aller faire de la place. Voilà. On va faire un peu de place. On se retrouve juste après. A tout de suite. Ok. On est reparti pour les invocations. Donc, j'ai fait un peu le tri. J'ai même vendu Sasuke que j'avais déjà 99 de luck. Un Naruto SM qui traînait que j'ai déjà 99 de luck. J'ai check, Neji, je l'ai 99 de luck du coup. Donc ça fait beaucoup de 99 de luck. Que des vieilles unités que j'ai déjà plusieurs fois. Donc là-dedans, on peut pas avoir de Blazing Fest, bien sûr. Hein. C'est pas possible. Donc là, on a
une unité garantie, je sais plus si c'est une feature garantie. Est-ce que c'est un personnage du portail garantie, je sais plus. Ou c'est un Blazing Bash garantie tout court. Je sais plus vraiment, à vrai dire. Ok, Sakura, en même temps, forcément il y avait une garantie, donc bon. Pas très étonnant hein, de voir cette animation. Et on aura une seule, la garantie de la fin. Allez, c'est une garantie, let's go. Ouais, voilà, forcément au début on aura que dalle. Logique, logique. Et la dernière, Jiraiya, qui est vraiment naze, mais vraiment très très naze. Hein, genre, y a rien de sauf. Par contre là, on rentre sur la quatrième, Raytup, Tobirama et Sakura. Clairement, donnez-moi Tobirama. Donc là, c'était quoi? Ok, on avait un personnage feature garanti. Ah, je dois faire de la place. À tout de suite. Ok, on est reparti pour la quatrième step, selon moi. Enfin, pour moi, pardon, la plus importante. Car on a... excusez-moi, là, je me suis éloigné. On a le Raytup Tobirama. Donc voilà, c'est s'il doit dropper, c'est maintenant, quoi. Parce que la dernière, c'est un garanti, mais... Enfin, je veux dire, on était sur la multiple, selon moi, qui m'intéresse le plus, et je tombe sur ça. Genre, vraiment. Ah, oh, putain, les enfoirés. Ah, oh, putain, ils me l'ont mise. Ah, oh, putain, ils me l'ont mise. Ah, oh, putain. Bon, attendez, je vais faire de la place, je vais rester avec vous, parce que, bon, ça va être vite fait, hein. Vous allez voir. Voilà, on va enlever juste la multi qu'on vient de faire. Oh là là. Oh mon dieu, non, Blazing. On se connaît, toi et moi, depuis 3 ans. On sait très bien que ça, j'aime pas quand tu me fais ça. J'aime pas. J'aime pas du tout quand tu me la mets comme ça. Non, non. Y a pas de manière de me la mettre, c'est juste... Ah, Blazing. Putain, c'est vraiment ouf, hein. Même si j'avais pas eu... si j'avais pas eu Tobirama. Et là, vous allez voir, hein, là, il y a un rate-up... Pour le Naruto Blazing Bash. Je le veux pas du tout. Allez. Et de deux. Les jeux sont lancés. Et de deux. Merci Blazing. On se met bien les amis. Deux multi. Rien du tout. Ah là là. Bon bah on va aller jusqu'à la full step. Hein. On va espérer pour un Tobirama. Si je l'ai, ce serait voir. Si je l'ai pas, bah. J'aurais bien mangé dans l'arrière-train, hein, clairement. Là, ah, je suis dépité, putain, je passais une bonne journée, quoi. Je passais une bonne journée, plein déménagement, on avait de la motivation, et bah ce jeu, il est bien là pour me rappeler que non, pas d'amusement, pas sur ce jeu. Ah, en plus là, sur Token, il y a quoi, il y a peut-être une heure de ça, je viens de drop un LR, là. Et j'ai dû épuiser toute ma luck, ou soit c'est Blazing qui fait la jalouse et qui veut plus rien me donner. Bon bah là on a une garantie forcément. Bon si même Tobirama franchement j'en arrive pour mes perles au moins tu vois. Genre c'est ce que je veux le plus sur le jeu. Allez. Plus qu'une. Deux. C'est plus qu'une. Allez. S'il vous plaît, Blazing, je sais que je suis beaucoup moins actif sur le jeu, que je t'en fais pavé en ce moment, mais fais-moi un petit cadeau quand même. Tu vois le mec, genre, mec qui détruit le jeu, donne-moi ce que je veux là, parle pas Blazing, donne-moi ce que je veux. Allez, allez, ouvre-toi. Oui. Putain de merde. Et c'est pas sur la garantie, putain de merde. Yes. Putain, je suis refait. Oh putain. Et là, il me donne Tobirama, encore. Oh non. Oh putain. Je veux dire, il est excellent, mais je l'ai full habilité. Me donne pas lui. Ah, ça me fout les boules en fait, parce que lui, je vais devoir soit... Bah, je vais le monter en PvE... En PvP... Ouais, en PvE, pardon. Je veux jouer en PvE, mais ça me fait chier, j'ai pas envie d'aller le supprimer. C'est un personnage qui est trop beau, qui est trop stylé. Mais oui. On l'a, les amis. On l'a, les amis. Oh putain. Franchement, Blazing, tu vois, je l'ai caressé dans le sens du poil. Je lui ai dit des mots gentils. Et il m'écoute. Bon, la Naruto, il était pas...
pas nécessaire, hein, tu vois. Genre Naruto, ça me fait chier parce que voilà, il risque de pourrir un peu dans ma box et c'est tellement une bonne idée que ça me fait chier de le pourrir. Mais il est là. Il est là, le BG ultime. Tobirama. Bon, bah ça m'aura quand même coûté un full step. Après, je veux dire, le full step à l'époque, il était quand même de 9. Là, j'ai mis 6 multi pour l'avoir. Donc en vrai, si c'était sur son Blazing Bash qui était sorti à l'époque, j'aurais en vrai 6 multi. C'est pas tant que ça. Si c'était sous son Blazing Bash de l'époque. Donc en vrai, ça va. J'en suis bien sorti. J'en suis très très bien sorti. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'invoquez pas sur ce portail. C'est pas forcément la meilleure des choses. Je veux dire, à part Tobirama et Naruto, tout le reste est pas officiel. Hinata s'en sort encore, mais tout le reste est vraiment dépassé. Donc voilà, c'était tout. Petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à visiter mon YouTube dans la description, ça m'aiderait beaucoup, énormément. Beaucoup, énormément, c'est pas mal ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao tout le monde.